we gon' burn it down. Salut la team. Et ouais, aujourd'hui c'est pas Thibaut qui vous parle, c'est moi, c'est Asté. Du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. J'ai acheté un R6 2009 il y a à peu près un mois de ça. J'avais quelques petits problèmes au niveau des sensibilités de shifter blipper. Du coup, on a pris la route direction Fréjus, Race Experience Speedway, pour régler tout ça. Donc voilà, un grand merci à Seb Gimbert, à Claire, à Clément pour tout ça. Ils vont faire un petit travail sur la R6, on va vous montrer tout ça. Voilà, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, ça va être incroyable. Allez, je vous laisse me suivre. Clément, qu'est-ce qui se passe sur le shifter? Du coup, en fait, c'était ton capteur de shifter qui était monté un petit peu de travers. Okay. Et il a travaillé un petit peu de biais et à l'intérieur, ça s'est usé. Donc là, t'as le capteur de shifter en fait à remplacer pour réparer ta moto. Ok, super. Bon, écoute, on va remplacer ça là. Voilà. Super, merci. Les amis, on est en compagnie de Sébastien Gimbert, donc le fondateur de Speedway Fréjus et de Race Experience Cool. Donc il va se présenter en quelques mots pour nous dire en détail ce qu'il fait exactement ici et surtout son historique également. On t'écoute. Alors bah, je suis le propriétaire du magasin donc Speedway Race Experience. Race Experience en fait a l'ADN de la compétition puisque Race Experience a été le dernier team pour lequel j'ai roulé. En fait j'ai pris la décision fin 2013 de monter ma propre structure. Et en fait, de la structure qu'on a montée en 2014 est devenue aujourd'hui l'atelier de préparation plus le magasin Speedway. Et du coup, c'est ma reconversion professionnelle parce qu'après plus de 20 ans de sport en moto de haut niveau,
J'ai fait les 24 heures du Mans, j'ai gagné plusieurs fois le Bol d'Or, plusieurs fois le Spa. Les dernières 24 heures de Spa, c'est moi qui les avais gagnées avec Jean-Michel Bayle et Nicolas Dussault. J'ai fait les Grands Prix, j'ai fait le Mondial Superbike. Je suis un peu un pilote un peu atypique en France parce que j'ai touché un petit peu à tout. Et aujourd'hui, la moto pour moi, je pense que c'est comme pour vous, c'est une drogue, c'est un besoin. Et nous, tout ce qui touche le magasin ou tout ce qui touche ma vie aujourd'hui, privé, plus privé qu'avant, c'est aussi autour de la moto. Ah, autour de la moto, d'accord. Et on a aussi ton fils. Oui. Donc ton fils qui prend la relève. Oui. Qui commence très très bien. Oui. Donc tu peux le présenter également. Alors Johan, il a 17 ans aujourd'hui. Il a fait 2 ans de championnat du monde 300 en 300 super sport. Et là, cette année, il participe au championnat de France 600. Avec une R6 qui est préparée dans nos ateliers. C'est un jeune, il est un challenger, il est 4e je crois au championnat de France classement général et 2e en catégorie challenger. Voilà. Ouais. Sacrément bien placé. Ok, impeccable. Merci à toi en tout cas. Et puis, merci, en tout cas merci d'être venu, d'être passé nous voir, ça nous fait plaisir. Voilà. Merci. Bon les amis, il est 8h du matin, on est le lendemain des images que vous avez vues précédemment là à Speedway Fréjus. On part en direction du circuit de Lédenon. On va faire une petite surprise à Johan Gimbert qui roule en FSBK 600. Donc il n'est pas au courant du tout qu'on vient. On va lui faire la surprise dans le box, on va aller le voir. Et il y a la course aujourd'hui, donc il y avait les qualifs hier. Il a fini par P7 sur 36. Sur 36, 36 ouais. Partant. 36 partants, ouais. Donc voilà. Super bien classé, comme Thibaut a dit, il sait pas du tout combien. On a vu avec Sébastien, avec son père hier, du coup, pour lui faire la petite surprise. Ouais. Donc voilà, ça va être cool, ça va être un moment sympa. Ouais, et puis on espère qu'il fasse un résultat ou qu'il fasse quelque chose, oui. Qu'il soit bien placé. Même si voilà, il va y avoir pas mal de vent apparemment aujourd'hui, depuis hier déjà les essais et les qualifs. Donc voilà, on espère que ça va bien se passer. Il y a super temps. Donc voilà, on va kiffer ça avec lui et puis voilà, passer un bon moment. Ouais, ça va être beau. Puis après surtout il y a les plus grands, il y a les 1000, il y a Kenny Forêt qui va rouler aussi. On va regarder un bout de course. Ça va être sympa, j'ai hâte de voir justement comment ça se déroule. Ouais. Et surtout que nous on y retourne sur le circuit de Lédenon dans 20 jours. Ouais. Dans 20 jours, donc on n'aura pas le même niveau, ça c'est sûr. Ah ouais, ça va être sympa. Donc voilà, on va vous filmer tout ça et puis on vous partage comme d'habitude à fond les amis. On va faire la surprise de la porte mais du coup... Viens, je te montre les voitures. Là il y a Carla, c'est ma petite pilote aussi. Ok. Ah, elle a 14 ans, elle roule avec la R3. Ok. Top. Voilà, première saison. Super. Et là, t'as la bête. La bestiole. Elle est belle. Ouais, bon, c'était pas la même. Bon les amis, on n'a pas pu vous filmer la surprise, enfin la tête de Johan. Ouais, parce que du coup on s'est fait démasquer. Voilà. C'est lui qui nous a vu en premier. Il nous a vu, il nous a vu de dos. Il a dit, qu'est-ce qu'ils font là les démonios? Donc du coup voilà, on n'avait pas la caméra en main. On n'a pas pu filmer tout ça et là il part dans 4 minutes. C'est ça à peu près. Dans 4 minutes. Ouais, ça va être ouf. On sent qu'il y a une grosse pression quand même. Ouais. Il y a de la tension dans l'équipe, ses parents, enfin voilà. Mm-hmm. On sent que voilà, ils sont pas venus là pour épiler les kiwis. Épiler les kiwis, ouais. Donc ouais, il y a de la pression, mais voilà, il est confiant.
confiant, je pense qu'il va faire une bonne course. Il est concentré. Ouais, il est concentré de ouf. Ouais. C'était impressionnant de le voir 10 minutes avant la course. C'était vraiment, vraiment beau à voir. Et de belles images avec son père. Ouais, donc, ouais c'est beau. Ça, vraiment, c'est beau. Ouais. Ça m'a mis des frissons. Ouais, ça, vraiment, franchement, c'est, lui a parlé, c'est top. Mais ouais, c'est impressionnant parce qu'on dirait vraiment des. C'est des mini-pros, ouais, comme au MotoGP, avec la préparation, la concentration, tout exactement. Ça. C'est ouf. Et bah, on va vous montrer tout ça, là, la course va démarrer. Yes. Et on croise les doigts ouais. qu'il fasse une bonne course. Une bonne course. Peu importe. Et que, voilà, il profite et, course, ouais, voilà. À fond. Donc sa première manche où il fait P5 scratch et P2 challenger. Donc voilà, nous on a dû partir, on n'a pas pu rester sur la deuxième manche de l'après-midi parce que malheureusement voilà, on avait un bon trajet à faire pour rentrer à Grenoble. Du coup voilà, on a quand même suivi sa course en live sur FSBK. Voilà, il a eu un bon ressenti comme vous avez pu voir. Et puis voilà, la course, donc la deuxième manche de cet après-midi, il termine pareil, donc P5 au scratch et P2 challenger. Donc voilà, pour lui, pour un circuit qu'il affectionnait pas forcément, je pense que c'est une belle perf. Ouais. Donc ouais, voilà, complètement. Il peut être satisfait quand même de cette perf. Sachant qu'il finit 32, il finit deuxième de sa catégorie sur combien 30 Ouais, 34 qui prennent le départ. 17 challengers du coup. 17 challengers. Donc voilà, la moitié de son challenger. Donc deuxième sur 17, c'est quand même beau. C'est très beau. Voilà, il peut être fier de lui. Vraiment. Donc, bravo à toi, Joanne. Bravo. Fier aussi, je pense que Sébastien peut être fier de son fils. Ouais. Qui prend un peu son chemin, on va dire. Voilà, je voulais aussi remercier Sébastien du coup pour ce week-end à Speedway Fréjus. Pour son accueil. Voilà, pour son accueil, pour le temps qu'il a consacré.
Un grand merci aussi à Clément qui a pu faire la prépa de ma moto. Donc voilà, ce qu'il en ressort au niveau du diag, problème au niveau du sensor, donc sensor un peu fatigué. Malheureusement pas la pièce en stock. C'est à commander chez Tandbike. Du coup Seb me fait la commande lundi et me l'envoie directement dès qu'il la reçoit, donc courant de semaine. Donc voilà, vraiment un grand merci à eux encore. Merci à Clément qui vraiment vraiment été au top du top. T'as géré de fou. Franchement, il est très compétent. Ouais, très gros préparateur. Ouais. Ouais, vraiment merci. Il a des grosses connaissances. Merci Clément, ouais, il a des connaissances qui sont vraiment vraiment ouf. Faut dire que voilà, il a un passé, il a bossé en moto 2, il a bossé en endurance, donc voilà, le mec sait de quoi il parle. Et le moindre bruit, il va savoir de suite d'où ça vient, quoi. Donc vraiment j'ai eu une énorme chance de pouvoir faire préparer ma moto là-bas. Et du coup encore grand merci à Seb, à toute l'équipe de Speedway. Merci de nous avoir accueillis dans les locaux. Ouais, merci à Race Experience, et il y a une grosse année qui va arriver. Il y a pas mal de choses qui sont prévues. Ça va être sympa. Ça va être vraiment sympa tout ça, on a hâte d'y être et de vous y faire partager aussi. Ouais. C'est le plus important. Et puis pour nous c'était un sacré week-end à Fréjus. On a bien profité. On a pris plein les yeux aussi. Ouais. On est puis voilà, fatigué aussi. Ouais. Petite cerise sur le gâteau, du coup on finit par s'arrêter à Les Denons pour aller voir la course, la manche 1 de Johan. Donc vraiment top. Top. Allez, à plus. Ciao.